Salut, moi c'est Adrien. J'ai 22 ans, je viens d'Orléans et j'ai toujours été quelqu'un de très curieux avec vraiment l'envie d'aider les autres. C'est pour ça que dès que j'ai eu 18 ans, j'ai fait mes valises et avec Jeunesse en Construction, je suis parti au Danemark pour aider les habitants à construire un éco-village. Le Danemark, c'est au nord de l'Allemagne. Moi j'étais à Egebjerg, au nord du Danemark, un peu au milieu de nulle part en fait. Donc ça ressemble à ça, Egebjerg. Donc les maisons sont des maisons 100% vertes, faites avec des matériaux recyclés ou des matériaux recyclables. Donc on était une équipe à travailler dessus, à les construire, une équipe internationale, donc on venait tous de toute l'Europe à peu près, hein. D'Espagne, de Portugal, de France, d'Allemagne, et même des Israéliens. Donc les tâches étaient vraiment diversifiées. On a à la fois construit l'intérieur des maisons, aussi les charpentes, et les tâches étaient vraiment différentes à chaque fois. Donc le temps était assez corsé. C'est pour ça qu'à la fin de chaque journée, on se réunissait tous autour d'un feu de camp. Certains savaient jouer un peu de musique, donc l'ambiance était parfaite. On a pu fêter les anniversaires de certains et puis passer des bonnes soirées avec les habitants. Donc on a aussi pu voyager, beaucoup voyager, aller visiter des éco-villages déjà terminés, pour voir concrètement l'aboutissement du projet qu'on réalisait. On a pu aussi voir un peu la mer, car le Danemark c'est aussi ça, et même Copenhague. Donc une telle expérience, bah, c'est quelque chose de vraiment vraiment enrichissant. C'est aujourd'hui un de mes meilleurs souvenirs, des très belles rencontres, beaucoup de choses qu'on apprend sur soi, sur les autres, et c'est une expérience que j'aimerais vraiment renouveler. Maintenant, aujourd'hui, je suis en train de finir mes études en Asie, et du coup, j'ai qu'une seule envie, ben, c'est de repartir quelque part. Repartir quelque part avec Jeunesse et Construction, faire un projet en Inde, au Népal, au Japon, je sais pas encore où. Mais repartir quelque part et revivre ce genre d'expérience vraiment inoubliable. Et ce que j'espère aussi, c'est qu'au travers de ce témoignage, ça t'aura donné envie de partir aussi quelque part, de vivre un de ces projets, et c'est vraiment le genre de projet qui marque une vie. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Salut!